Dépêche-toi. Putain, mais j'en reviens pas, de ce qu'il a fait. Le mec a chopé des chips dans le frigo direct, c'était le réflexe, quoi. Bah, à ce moment-là. Allô ? Marc ? Marc, je crois qu'il y a un problème avec ton toast. Marc ! Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. Mais moi, je te cherche pas trop, vu ta gueule, en fait. Tu es moche. Hello darkness, my old friend. On va prendre une potion d'invisibilité. Voilà. Vas-y pour me voir, là. Du coup, je prends la thune. Je vais faucher comme les blés maintenant, sale fils de chien. Je prends ton crochet. Je prends la clé de ta ferme. Je prends la clé de ton manoir. Je prends ton collier. Allez, salut connard. Doucement, doucement. Ne vous levez pas. Hey, mais t'es comme moi. Oh la vache. Oh, excusez-moi, on peut réteindre la lumière? Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, j'avais complètement oublié ça. Ah. Si vous voulez mettre la main au cul, c'est plus cher. Non mais mémé, commence pas à refaire la déco, là j'ai besoin de lumière moi. Ok Rodrigo, tu fermes ta gueule. Quoi? Pas de contrat? Pas d'argent? Voilà, je suis venu de loin. Je m'en fiche de ta vie. Est-ce que tu donnes des pièces pour mes services? Toi, argent? Oui, ta femme, c'est ça. Alors, comment dire? Tu vois le voisin? Il avait plus d'argent. Voilà. T'as remarqué un truc? Le voisin, par exemple, qui mettait la main au cul à ta femme? Oui, le village voisin, chez son voisin. Ta femme est une chouin. Voilà, donne-moi, ça fera 100 pièces d'or. Fais-moi le malin, hein. Stop. Don't harm him. Paye plus. Hola, alors, qu'est-ce? Hola, qu'est-ce? Amigo del sol. Allez, carrément maintenant. Y'en a marre. Tu prends mes fesses, tu les soulèves très très fort et tu m'emmènes jusqu'en diamant. Et c'est parti. Je suis obligé de toucher tes fesses. Tu peux prendre des gants si tu veux. Moi honnêtement, il n'y a aucun problème. Je peux te carrer et tout. Bah écoute, lui il la met. Ah non. En tout cas, c'est pas la balle que. Non. Qu'est-ce que tu fais? Mais dis-moi quand tu l'as, gros tarba. Je sais très bien en plus que je suis dessus. J'ai pas fini mon action, tu le sais. Tu le sais. J'ai zéro dessus. Tu l'as touché pour la mettre dans le sens de notre goal. Mais et toi tu dis, mais c'était mon action. Mais ta gueule, c'est oui. On a marqué dans le goal bleu, hein. Le goal bleu, hein. Il y a des drôles d'arbres dans votre région, hein. Je reconnais pas les fruits qui y poussent. Vas-y, toi, Moldo, connaisse. Rejetons des porcs. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait ça. On la bute, hein. Pauvre enfant, mais non, pauvre enfant. Ils oublieront tout ça, voilà. Vite, refermons la porte. Chavis ! C'est pas moi. Non, j'ai sauté. Connard ! Mais il me quasi one-shot, j'ai... Mais lâche-moi. Bam, les petites... Oh, la chute que je viens de me taper. Bon, au moins, j'ai le temps de revenir. En vrai, est-ce qu'on est vraiment... Je vais pas l'affronter, genre, c'est juste pas possible que je lui fasse le moindre dégât. Pardon ? Monsieur, vous êtes trop vieux, monsieur ! Mais toi par là, Vanessa, c'est très solennel et tu fais tâche dans le tableau, je vais pas te le cacher. Voilà. Yes, bébé. La langue des pixels, je le savais. Vas-y, transmets, Bori, transmets. Oh, Satan. Do you believe this shit, Vanessa? Do you see this? Do you see? You can't do that, Vanessa, you can't.
Excusez-moi, mémé. Excusez-moi, on joue pas dans la même ligue là. Tiens, prends une barre de... prends un truc de centre, ça va te calmer. Ah. Tu vas faire quoi maintenant? Je jette les cendres de son mari au visage. Tiens, bouffe. On en est là. Faut que j'arrête de sauter. Mais bon, là, normalement, ça devrait aller. Si je plantais ta putain de tête en plein haut d'une pique au sommet du toit. Allez, suicide-toi, ça me fera plaisir, franchement. Excusez-moi. Pardon. Alors, j'ai pas signé pour ça. Excusez-moi, mais là, je suis pas en train, je suis pas censé me battre contre lui, là, si? Non. Quoi? Donc là, il y a des dalles blanches et des dalles noires, ça se voit pas. Je sens que Vanessa va illustrer mes propos. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un chemin qui va bien et un chemin qui va pas bien. On va prendre le chemin qui va bien. Mamie, t'es à deux doigts du Spartakik, alors tu vas dépêcher de m'expliquer ce que je dois faire. Du riz. Visiblement, je dois foutre mon riz dans le fond de l'héritier divin pour que mamie soit contente et qu'on puisse avancer. Poudre de tamarite. Le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup des saloperies comme ça. Quoi? Mais j'ai pris ma poudre! J'ai pris ma poudre! Bordel de merde! À quoi ça sert? Réduit la communication de terreur et augmente la résistance à cet effet. Oui! 100% oui! Prends la poudre! Enculé! J'en peux plus! Tu vas te dépêcher d'ouvrir les narines et de sniffer ta coke! Dépêche-toi! C'est qui elle? Bougez pas. Alice Lefebvre. Je la connais. Présentation dragueuse. Marc Duquet a identifié une truite. Les gars, truite en vue. Ah, putain. Oh, le disrespect, c'est chaud. Moi, j'en dis une baleine plutôt, mais effectivement, pourquoi pas la truite, Marc? Pourquoi pas la truite? Il est sacrément moche en tout cas. Hein. Là, je suis sûr d'avoir. La violence du propos, quand même, c'est quelque chose. Quelle horrible fin, Lara Croft, vraiment. Hein. Moi, je trouve qu'elle devrait prendre feu, là. Je vais te prendre par tous les trous, puis je vais te refaire des trous, puis je vais te reprendre par tous les trous. Sur, comment dire? Sur une échelle de 0 à j'en ai plein le cul, je crois qu'on transcende le fait d'en avoir plein le cul là. On a crevé le plafond. Là, on est sur quelque chose d'incroyable. On est sur quelque chose où tu vois, tu prends ton cul, tu passes à travers une première fois, puis tu passes à travers tout, tu fais le tour, et puis tu repasses dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près là que j'en suis. Voilà. Lui là. Ça fait 20 minutes que je suis comme ça. T'en fais du bruit quand tu marches. T'aurais pas pris un peu de poids, ma jolie. C'est clair. Ouais, c'est ça. Le code de ce soir, ce sera, disons, châtiment. Châtiment. Je le prononce, tu arrêtes tout. Allez, on va le tabasser un peu. Oh, c'est bon. Je l'ai mérité, celle-là. Oh, c'est pas mal, c'est des milliers. Il y en a pour moi. Ah, cruel. Ne te retiens pas. Je vais te déballer. L'héritage des Pendleton vaut des centaines de milliers au bas mot. Je leur ai dit que c'était du vent. Quoi? Châtiment! Châtiment! C'était parfait. Mais j'ai eu mal pour la soirée.
m'appelle Ménardin. Tu peux partir. Châtiment. Fini, j'ai dit. Châtiment. Châtiment. Viens voir. Encore. Châtiment. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux des réponses, Jean-Michel. Rien. Je peux juste le griller comme ça en boucle. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Tu continues. J'ai salut. Encore une surprise pour toi. Je te demande de m'épargner. Bah, ça va pas être possible. Quand j'ai tué l'impératrice et enlevé sa fille, quelque chose s'est brisé. M'en fous. Maintenant que je reconnais ouais, c'était le son de mes noix que t'as brisé. Parce que maintenant, c'est ta faute si je me retrouve là. Je me. I'm just getting started. Olé, 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 olé. Ok, ok, ok. Ça, non, c'est... Allô. La violence gratuite. Toi-même, tu sais. Je peux toujours pas passer, putain, c'est chiant. Monsieur, je crois qu'il est. Ah bah putain, ça a évolué la coupe-poncture, hein. Écoutez, monsieur. Il y a des moyens plus simples de colorer l'eau de votre piscine, ok? On va d'abord parler à Mama. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. J'ai tué 3 mantes religieuses et cueilli des plantes. Prochaine journée. Salut. Alors, on prolonge son séjour à Goat Springs? Mais je me suis perdu, en fait. Ok, attends, c'est V. Comment je fais pour rengainer? Je peux pas rengainer. Je peux pas rengainer. Je peux pas... Les gars, je vais tout faire sauter. Je peux pas rengainer. Bon, bah ça va par là. Je suis censé vous donner un swinger pour que vous puissiez vous balancer comme des petits insectes. Super, on peut voir? Passez vite. Aujourd'hui, vous avez osé déshonorer mon parcours. Alors, je vais vous le faire payer. C'est un jeu de 1000 boulons, putain, mais meuf. Mais tu fais quoi? Tu les manges, les boulons aussi? Qu'est-ce que tu manges pas, en fait? 1000 boulons. J'ai pas cet argent, ma bonne dame. Va falloir faire un régime, hein. Mon nom est Shen. Eh ben, on va tout de suite accélérer la dialogue, parce que... Les gens m'appellent amicalement les professeurs Pokémon. Ce monde et peupler les créations appelées Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu aimes les films de Gladiator? Si, comment je m'appelle, les gars? Comment je m'appelle, en vrai? Attendez, j'ai envie de changer de sexe. Bouton retour. Je peux pas changer de sexe? Mais qu'est-ce que c'est que cette discrimination? Je suis non-binaire. Je vais prendre une meuf, en vrai. Voici mon petit-fils. Vous dites ce qu'il vaut depuis votre temps d'enfance. Oh là là, les sacrés qui t'a mis, c'est si trop drôle, j'ai pris des photos. Mais bien sûr que c'est Gontran. Non. Maman, j'ai perdu. Ah, tu es bien le digne fils de ton père. Toujours un loser. Genre, je vais juste mettre, tu vois, je vais pas mettre 0-0 pour indiquer les win et les lose, je vais juste mettre un chiffre et ce sera les gagnantes. Voilà. Elle est où le problème? À partir de 1, je mets 1, c'est tout. De toute façon, faudra pas mettre 2, donc c'est très bien. On va alimenter la mademoiselle, c'est ce qu'elle a dit. Regarde, c'est un orifice, Billy. Que les groupes flottants. Wow. Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu pour une durée maximale. C'est quand même un sacré gros orifice, mademoiselle. Mais là, au moins, on est alimenté, tu vois ce que je veux dire. Bonjour. Oh, bien joué, petit. Je savais qu'on pouvait gagner. Nous irons loin tous les deux. Voilà. Pardon, tu sors ça... Monsieur, tu sors ça d'où exactement? Elle était cachée où, la pile d'énergie, monsieur? Bouge pas, gamin. Et voilà. Merci. Ou voilà ce qui. Ah. Clank, t'as encore oublié ton mot sécurité. Putain, qu'est-ce que je t'avais dit? Robot pont acquis. Robot pont. Pour construire des ponts. Waouh, j'aurais jamais deviné. Robot pont, construit un pont. Dépêche-toi.
sa robot, le but dans sa vie c'est de se faire marcher dessus, il adore ça. Finalement on est un petit peu un club SM anonyme. J'en ai marre et en même temps j'ai envie d'encore jouer. Ce jeu est un vrai problème. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai plutôt ça avec Overwatch moi perso. Je te la laisse. Non, attends, je peux pas jouer comme ça. Est-ce que quelqu'un peut clipper ce qui vient de se passer? Non, arrêtez tout. Oh putain, je peux rien faire. Oh mon dieu. Je pleure déjà de rire. Oh non. Mais quelle... Alors, on rappelle Diamant. Hein. Chute neutralisante. Attention, on va appliquer quelque chose que je connaissais pas dans 1. Boum. Oh, elle est bien neutralisée là quand même. Évidemment. Pas évident. Il y a peut-être une solution dans le passé, 3 ans plus tôt. You put the volant in the volant. Dépêche-toi. J'hallucine. N'insultez pas mon intelligence. Maman? Pourquoi? Pourquoi il me montre une photo de Ronflex? C'est bizarre quand même. Be gone, beggar. Je suis disgracieux. Attendez, on peut monter là ou pas? Non. Et là. Ouais. Est-ce que ce saut est envisageable, Altaïr? Fais un effort. Stop humping the wall, Altaïr. Pokéball, go! J'arrive. Okay. Attaque okay. Secrète. Pokéball, go. Attaque drop horde. Oh non, dommage. Attendez, faut que je trouve le moyen de monter. Non mais ça c'est de la merde, hein, d'accord. On va nulle part avec ça. Non seulement on va nulle part, mais on tombe sur des jeux. Cet atterrissage sur le banc. On peut dire que c'est un atterrissage bancal. Oh, elle me trigger de ouf. Les contrôles. Là. Tant pis, on va brûler un peu, c'est pas très grave. Saute, dépêche-toi. Non, par contre, j'aimerais ne pas mourir d'enflammation. Je refuse. Non, on va attendre que ça s'éteigne. Ah, non, attendez. Ah. Merde. Je suis obligé de ramasser le lingot qui est par terre. Et après, je dois sauter dans la flotte pour m'éteindre. Ça, c'est le plan, ok? RP bougie d'anniversaire. Je vais essayer. Je vous promets rien, les gars. J'ai un de vie. Regardez à gauche. J'ai 0 HP. Ah oui, on se sent bien tout de suite, Lara Croft. Putain, c'est chaud. Attends, je refuse. J'ai pas envie de refaire ça tout le temps. Je refuse. Allez, dépêche-toi. Je pourrais pas. Yes.